temps lui faudra-t-il? Le temps défile et le condamne à l'inertie. Il est paralysé par tant de subterfuges. Il reste insensible à ce qui se passe. Le monde souffre et va mal. Il semble réservé aux plus puissants. Et pourtant, ils sont rien sans leur plan. Ils se nourrissent de votre énergie et vous font perdre la vue. Pourtant, nous sommes missionnés à vivre sans retenue. Avec la volonté de prendre ce qui nous est dû, rien ne devrait nous freiner, nous assombrir. Il n'y a rien de plus beau que celle de ressentir d'être un tout dans cet univers qui nous lie. Robotiser, asservir l'homme, le rendre vil et vide. Passer sa vie à perdre son temps, son objectif, celui d'être un homme comblé. Auprès de son prochain. Pourtant, cet homme immoral le détache de la vraie vie et de son divin. Soumis, il choisira de vivre d'histoires virtuelles sans la vue du ciel. Totalement déconnecté de la réalité, il est foncièrement triste. Croyant posséder la jeunesse éternelle, il évite son esprit père, sa clairvoyance et sa conscience.